Mais j'attends. Là, on l'entend plus trop. Une fois qu'on connaîtra un peu mieux la maison, ça ira. C'est le truc aussi, c'est que là, c'est nos premières parties, on connaît pas la maison. Salut YouTube et bienvenue sur ce let's play de Heavy Nun. On y incarne un personnage qui vient passer ses vacances dans une colonie avec une bonne sœur un peu spéciale. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces bleus et à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu en commentaire. Et si vous aimez le contenu horrifique, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci d'avance pour vos visionnages. C'est nos parents, je crois, qui regardaient. C'est un taxi, ça, non? Mes jolies colonies de vacances. Ah mon dieu, c'est Noël. Ah non, j'aurais pu mettre Damien, ouais. C'est la bonne sœur. Elle est possédée apparemment, hein. C'est pas de sa faute. Hein. Salut Binta, coucou tous les arrivants, c'est Yonji. Je suis trop content de faire ce jeu, le découvrir avec vous. Ah, c'est une bonne sœur qui a fait le taxi qui nous a amené ici. Summer camp. Camp de vacances d'été. C'est quoi cette tarée qui essaie de me foncer dessus? C'est quoi cette tarée? Ça commence bien. Jour 1, Sister Act. C'est vraiment G, bizarre. Peut-être que les diamants, ils les ont enlevés, hein. Vous savez, c'est TikTok, ça change tous les jours. Hein. Elle commence bien, hein, les petites colonies. Déjà, vous avez vu comme ça fait flipper l'endroit. Je vais augmenter le son si c'est trop fort, vous me le dites à un moment donné, mais vu que là, il n'y a pas la musique, je pense que pour avoir peur dans ce jeu, faut l'entendre marcher au loin, etc. Je dois être sage, je suis Kenro et je serai sage. Attendez, j'entends marcher. En plus, on est en mode cauchemar, hein, donc je sais pas si on va réussir, mais... Qu'est-ce que c'est que cette folle? Attendez, je peux pas changer les options, là. Mais regardez le sang par terre. Salut Miabelle, comment ça va? Mais c'est pas grave, t'inquiète. Je préfère que vous soyez là moins souvent, mais que vous êtes content, que vous ayez le smile quand vous venez. Que vous forciez à venir, ça a rien de se forcer les amis, c'est à moi de vous donner envie de venir, vous avez pas de compte à rendre au streamer. Hein. Y a aucun souci. J'ai envie de le mettre à fond, on tente à fond pour voir. Je pense pas, non elle entend pas mon micro, je pense pas mais je crois qu'elle entend tous les autres bruits. Je pense pas, elle entend mon micro? Ça va le son là, non? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Coucou les arrivants. On... Je l'ai vu passer, vous l'avez vu passer ou pas? C'est les arrivants, vous l'avez vu passer? Ouais, je suis sûr qu'il va être bien un bruit. Oh mon kill, ça va? Putain, mais elle est devant la porte, je vais faire comment? Elle est devant la porte, comment on va faire? C'est impossible. Je veux pas sortir. Qui c'est qui va me chercher? Vous venez me chercher ou pas? Si j'étais dans ce cas-là, salut Ferda, si j'étais là, vous viendrez me chercher ou pas? Parce que moi, je vous dis, je suis honnête, je viendrai pas vous chercher. Je vous dis, il y a une tarée comme ça avec un marteau. Honnêtement, je suis désolé, mais je suis pas sûr que je viendrai vous chercher. Non? Oh, vous êtes gentil, il y en a qui viendraient me chercher. Non, je viendrai vous chercher. Attendez, on se perd quatre pattes déjà. Oh mon dieu, je sais que tu es dans les parages. Oh mon dieu, vous avez vu sa voix? Si c'est trop fort, vous me le dites, ok, j'ai mis le son à fond, je peux vous monter encore, mais... Je demanderai au modo de venir vous chercher à ma place. Attendez, il y a des trucs... Alors, il y a des énigmes, il y a plein de trucs. Alors, pas de spoil, comme d'hab. Quand vous ne connaissez pas de jeu, vous pouvez aider. La voix reconnaissance qui t'a été sacrifiée. Je paierai pour ce don dont j'ai fait le serment. Elle est complètement folle. Ok, alors attendez, elle est partie, cette cinglée. On a le livre des ombres, on en fait quoi? La statuette, lâchez l'objet pour en prendre un autre. Mystérieux appareil. Attendez, ça va faire du bruit, ça, non? Ça va faire du bruit, ça, non? Ouais, on va commencer par inspecter la chambre tranquillement. Merci Koali et Stan pour le follow. Surtout, il est même bien commu. Il y a un compte à rebours, on dirait, vous avez vu? Hark! In the name of all that is sacred, reveal yourself!
dieu, non. On l'a mis en mode cauchemar, les amis, ça va être l'enfer. Elle nous sent, elle a fait... Elle me sent, elle est en mode cauchemar, elle est déterre. Merci Loli pour le sub. Je veux bien une pluie de GG sur TikTok pour Loli qui rejoint la team BTG. J'ai peur de prendre le livre. Attendez, vous savez quoi? On va visiter. Non, venez, on touche à rien pour l'instant. Salut Noumi, comment ça va? C'est vrai? Bon, tant mieux Noumi. Elle revient, attends qu'elle parte. J'ai peur d'avancer. Je vois qu'elle est de l'autre côté. Oh, j'ai trop peur de tomber face à elle, je vous jure. Je fais tout à quatre pattes. Hein. Elle dit, je sais que tu es dans les parages. Attendez, 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 attendez. Est-ce que j'ai le son à fond? Salut Ameline, coucou tous les arrivants. Attendez, j'ai le son, il était pas à fond. Je vais être sûr de me faire dessus si elle est là. Merci Anya pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Merci pour les follows sur TikTok et YouTube. Soyez bienvenus si vous aimez l'horreur. On fait que ça. Si je ferme la porte, elle l'entend ou pas, à votre avis? Je pense que la porte, ça va. Je pense que la porte, ça va. Attendez, il n'y a rien dans cette bibliothèque, on est d'accord, hein. Il n'y a pas un passage secret dans les bibliothèques? Attendez, il y a peut-être un livre. N'aie crainte, je suis à tes côtés. Mon dieu, salut Maki, coucou les arrivants. Je te rendrai plus fort, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma main puissante. J'en veux pas de sa main puissante, j'en veux pas de sa main la plus forte, moi, pour ceux qui ont la ref. Merci Jess, et ça fait 9 mois. C'est le fantôme, il a évolué. Un fantôme momie, merci à toi pour ta présence Jess. Le livre par terre? Ouais, mais les livres, on en fait quoi? J'ai vu qu'il y avait des livres, mais... Attendez, elle arrive. Si elle ouvre la porte, je suis derrière, elle me voit pas normalement. Attendez, on est grave parti vite, non? C'est normal. Par contre, on n'a pas de lampe de torche. On peut la voir passer à l'intérieur. Ce serait l'horreur, non? Imaginez, on la voit, bam, se coller à la vitre, là. Salut Kinder, salut les arrivants. Ah putain, c'est sans issue, on s'est fait avoir. J'ai besoin d'une clé spéciale pour ouvrir la porte. En vrai, on est en mode cauchemar pour l'instant, ça va, on s'est pas encore fait attraper. Bon, on n'a pas fait grand chose en même temps, mais... Et si on fouillait là-bas? C'est quoi, vers là? Je sais pas si elle sort. Je veux pas savoir, hein, mais je me demande si elle sort ou pas, ou normalement. Je pense que tout est verrouillé par là, mais... Thank you. Oh, merci Ligoa pour les 2 sub-gifts. Merci à toi. C'est quoi ce bruit? C'est elle? C'est elle? Ok. Il y a quelqu'un d'autre, vous entendez? C'est pas un... C'est quelqu'un qui pleure? Ok, il faut qu'on trouve des clés. On va essayer de trouver des clés dans la baraque. C'est un chat? Il est bizarre votre chat, non? Ah, mais on peut se cacher dans le placard. Salut Nathan. C'est le monsieur qu'on a vu au début? Ok, elle s'est barrée. On ferme la porte. C'est mieux, je pense qu'elle entend moins les bruits. Elle est sortie dehors? Elle est dehors? Elle est dehors? Je vous jure, elle est dehors! Elle est dehors! On va prendre le livre, je sais pas... Je pense qu'elle rentre aléatoirement dans les... Je sais que tu es dans les parages. Salut Jules, coucou les arrivants.
Et c'est dommage, j'ai déjà fait le cosplay en la nonne, mais je pourrais refaire un cosplay en la nonne de Evil Nun. Hein. Vous avez vu, elle feinte, elle bougeait plus. En mode cauchemar, ça décrit qu'elle est hyper à l'affût et surtout qu'elle est hyper intelligente. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un livre, moi? Okay. Salut, Leapers. Beaucoup les arrivants. On monte à l'étage, regardez. Putain, j'entends pas trop où elle est. Ah mon dieu, c'est quoi c'est... Eagle Junior High School with good girls and boys. Oh mais elle allait super vite! Mais attendez, elle est super vite! Jour 2, je l'entendais à peine marcher! Merci Wankill pour les 300 bits. Eh ben merci à toi mon petit poteau. Merci Tenchi Jimmy pour le follow sur Twitch également. Et Willows, bienvenue à la commu. Salut les arrivants. Oh la vache! Je dois être sage, je suis Kenro et je serai sage. Alors je crois que regardez, ah non ça reste en cauchemar. Oh ça va être chaud. Attendez, elle est là, attendez je rebois un coup. Moi aussi, oh, franchement je me suis défoncé la gorge. Mais attendez, on est d'accord qu'elle était super loin. Salut Solouv. On est d'accord qu'elle était censée être loin et que d'un coup elle a apparu derrière moi. Elle court super vite hein, en mode cauchemar. Hein. Allez on y retourne. Ça va, Swan? C'est Nikita, tant mieux. C'est Nubia, coucou tous les arrivants. Je m'excuse, les amis, je vous fais un bonjour global à la fin, parce que je peux pas lire, j'arrive pas à tout lire. Mais trop content d'être avec vous aussi. On va aller à l'étage, ça avait l'air d'être intéressant, non? Cache-toi! J'ai entendu. Ici, j'ai entendu, moi. Le problème, c'est qu'elle va super vite. Juste derrière moi, au secours! Je sais pas où je vais, mais j'y vais! Oh mon dieu, l'enfer, comme ça fait sursauter! Pardon. Mon dieu, c'est l'horreur. Mais attendez, j'arrive pas à l'assommer. Elle peut passer par les trucs comme ça, votre avis ou pas? Oh putain! Mais attendez, j'arrive jamais à l'assommer. Ah, oh, c'est dur! Oh la vache! Oh, elle me lâche pas, mais c'est le stress. C'est le stress, elle me lâche pas. Elle me court après cette folle dingue. Elle passe, elle se met à quatre pattes, elle passe dans les trucs. Hein. Salut Miyako, merci pour tous les gifts sur TikTok. Je m'appelle Kenro et je serai sage. C'est Melania. Je crois que c'est notre dernière chance, non? Je pense pas que ce soit infaisable en cauchemar, hein, mais... On teste un peu en cauchemar, après on passera en difficile. Il y a une trace de main, je sais pas ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas la première victime de cette tromperie, je vais vous aider à vous en sortir si vous permettez de suivre mes conseils jusqu'au bout. Faites-moi confiance et j'ai pas le temps de dire la suite. Merci Mowgli pour les 2 mois de sub, c'est le feu follet le badge au bout des 2 mois. Ok, il y a quelqu'un qui veut nous donner des indices. Je pense qu'il faut qu'on retrouve les lettres. Merci Brinks pour les 4 mois. C'est vrai, merci beaucoup pour ton message Brinks, ça fait super plaisir. Ok. Je peux vous monter le son? Vous voulez que je monte le son ou pas? Je vous monte le son un petit peu ou pas? Je peux le monter un peu si vous voulez. Ouais, 2 secondes les amis, on a toute la soirée, je finis ma partie, non? Je passerai en difficile après, vous en faites pas. Ouais, ok, je vous monte un peu.
Laissez-nous découvrir tranquillement. Vous avez voté cauchemar et en vrai, vous avez bien fait. On va finir le try. Hop, hop. Je vous mets à fond. Les amis, vous l'avez à fond. Vous l'avez au maximum. Ok. On attendait. Hop, voilà. Ah, c'est vrai qu'il y avait une grille ici. Vous avez raison. Oh, si elle vient dans le conduit, c'est l'enfer. Salut Wendy. Coucou les arrivants. Une petite lampe de torche, ce serait bien, je trouve. Le bordel. Oh, les toits d'araignée, le bruit que ça fait. Pour moi, c'est faisable, hein, le mode cauchemar, en vrai. Hein. Juste, ça fait peur, quoi. Vous pensez qu'on peut se cacher comme dans Smite, dans la baignoire? J'ai pas l'impression. Il faut qu'on trouve des clés. On a trouvé deux portails. On a trouvé des portaux. Donc, il faut trouver des clés, oh. On a trouvé les chiottes, on peut faire nos réunions de crise. Attendez, table, journal de quête. Traversez le pont, regardez en haut, boîte à cookies. Elle va contenir quelque chose d'important, la boîte à cookies. Regardez en haut, après avoir traversé le pont, on l'a pas fait encore, et trouver le pont, trouver trois fusibles. Dans la boîte à fusibles du deuxième étage, pour mettre en courant et ouvrir la porte en métal. Merci Atta et William et Lou pour le follow, et Dura pour le follow sur Twitch, bienvenue à commis, merci pour les follow. Sur TikTok et YouTube, soyez les bienvenus. Si vous aimez l'horreur. Voilà. C'est abusé, mais attendez, mais elle a un sixième sens, non? C'est les chevaliers du Zodiac. Elle a un sixième sens pour savoir où je suis. Elle a défoncé. Il y avait une main? Ouais, ouais, j'ai vu, on avait parlé des mains, mais... Attendez, peut-être qu'il faut péter péter Jésus, la statue? Il y a un truc dedans? Putain, il y a rien, par contre, ça va l'attirer. Après, ça permet peut-être de l'attirer quelque part pour mieux l'assommer. Attendez, on va se planquer un peu droit. Oh, ça a sens unique. Si elle arrive, je suis mort. Oh putain, elle est là. Elle est là. Oh. J'ai déconné. J'ai déconné, j'aurais pas dû faire ça. J'espère que ton corps peut supporter cette punition. Sinon, je vais devoir t'enterrer. Je pense qu'on va mettre en difficile, les amis. Ça sera pile entre les deux. Parce que là. Elle m'a mis un masque. Well, since you are not capable of. You will stay down here until the end of your days. Elle nous enferme jusqu'à la fin de nos jours ici. Merci à Tani. C'est vrai, bah merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue parmi nous. Merci Titox pour les 1000 bits. Incroyable, merci beaucoup pour les 1000 bits Titox. On a de quoi faire, regardez, il y a 37 étapes. Je pense qu'on va faire en difficile, non? Vous en pensez quoi? Merci Titiokai. C'est le feu follet au bout des deux mois. Merci à toi pour ta présence. Et Yanis pour les 6 mois. Ça y est, qui devient un grand fantôme. Merci à vous les amis pour votre soutien. Merci à toi Yanis pour ton message. On met en difficile les amis, ça vous va? Vous avez été puni, devez travailler. Et devez travailler à la buanderie. What? Attendez, on va le baisser. Ça nous met dans la buanderie. On met en difficile. Non, non, c'est bon, on est là. On est bien là. Je sais qu'il y a un niveau dans la buanderie. Ok, vous pouvez... les modos, est-ce que vous pouvez ban? Je dis bien ban et pas mute VLN. Histoire qu'on comprend que je suis le chien de personne. On ne donne pas d'ordre. Et sûrement pas comme on donnerait à un chien. Et même un chien ne mérite pas qu'on lui parle comme ça. Au revoir VLN. Bonne chance pour trouver un live qui parlera moins, du coup, qui sera plus adapté à toi. Merci Angie. C'est Michaela, c'est vrai? Trop bien. Et je tolérerai pas qu'on parle à quelqu'un du chat comme ça non plus. Donc... Salut Jen, coucou les arrivants. Déjà au début on avait vu hein, qu'ils avaient failli m'écraser. Hein. Bon, dans tous les cas, dans l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a deux issues possibles parce qu'il y a deux portails.
Oh, merci Hatchoum, ça fait un an, incroyable! Merci à toi, Hatchoum, pour les un an. L'histoire, c'est qu'on est envoyé en colo de vacances ici, sauf que la nonne, elle est possédée, elle est un peu... frappa dingue. D'accord, Steven, ils manqueront pas de toute façon de ces gens-là, donc... s'en fout. Je suis pas là pour faire les records d'audience, je suis là pour que vous sentez bien, que vous fassiez pas insulter, moi non plus, donc... c'est tout ce qui importe. Merci Lina pour follow sur Twitch. Bienvenue à Comi. Ok. Échappez-vous de l'école avant que Sœur Madeleine, la nonne diabolique, ne vous attrape. Ok. Je propose, on fait l'étage. J'avais l'air d'avoir des trucs bien à l'étage, non? Oui, en gros, on m'a dit plus ou moins de fermer ma gueule et que je ferais mieux de jouer au lieu de parler, quoi. Genre, au secours, quoi. Au secours. J'ai l'impression que les gens ils sont transformés quand ils sont cachés derrière un téléphone, du coup ils se permettent de faire des choses qu'ils oseraient pas me dire en face. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, heureusement c'est ultra minoritaire, hein. Tout le monde est comme ça, mais il y a toujours une poignée. Bah c'est ça Naïs, il y a des let's play sans commentaires sur YouTube, donc je vois pas pourquoi on me prend la tête en fait. Merci Liane pour follow, bienvenue à la commu. Vous avez vu déjà, là elle m'aurait, en cauchemar, je pense qu'elle m'aurait poursuivi là. En fait, en cauchemar, elle court-poursuit tout le long. Tout le temps, je pense. Bah, détrompez-vous, je pense pas que la personne, elle était mineure. Là c'est bon, on a l'air d'être tranquille. Il faut qu'on retrouve les escaliers. Ils sont bêtes et méchants, bah ils seront bêtes en méchants. Bêtes et méchants sommes-nous. Je me prends pas la tête, ça dégage et puis voilà. On banne jamais par plaisir et par de façon abusée ici. Il faut le faire pour être ban. Mais par contre, merci Witso également pour le flow. Bienvenue à la commu. Ok, on va aller envoyer Sœur Madeleine. Pour la petite correction, on va envoyer la Sœur Madeleine avec le marteau. Oh putain! Eh, c'était marqué cercle! Ah, je suis passé du mauvais côté. And write a million times that you will be good. Reste dans ta chambre et recopie un million de fois, je serai sage. C'est pourtant pas difficile! Jour 2. Il y avait la chambre de Sœur Claire. Le karma, ouais. Je parle trop au trésor, tu vas aller prendre un petit peu de vacances toi aussi? Allez, pareil, hésitez pas à mute Trésor et si ça lui plaît pas, qu'il s'estime heureux que je banne pas. C'est quand même dingue, les gens... Le pire, c'est surtout sur TikTok, c'est le passage sur TikTok. Sur TikTok, c'est simple, c'est une application. Pour ceux qui connaissent pas, vous faites ça et vous changez de live. Et les gens, au lieu de changer de live, faut qu'ils viennent... ils sont tellement aigris, une poignée, hein, la majorité, encore une fois, j'insiste. La majorité sont super sympas sur TikTok, mais il y a toujours une poignée d'aigris. Qui peuvent pas s'empêcher. C'est un truc de dingue, hein. Truc de fou. C'est un truc de fou, hein, Caro, on est d'accord, hein. Your time will come. Mark my words. Merci Vin pour le 4e mois de sub, merci à toi. Merci beaucoup. Allez, on se reconcentre dans le jeu, les amis. On s'en fout, c'est pas grave. Merci Jenny. Je sais pas, Flo. Non, mais vous inquiétez pas. S'il me poignait sur TikTok, je devrais pas réagir, mais. Je suis tellement triste pour eux. Quand on est autant aigri, c'est qu'il y a quelque chose où on n'est pas bien. Et donc, je veux pas jeter la pierre. S'ils sont pas bien, si elles sont pas bien, ces personnes-là, c'est plus triste que. Merci, Linda. Oh, vous inquiétez pas, c'est pas. Ça me passe au-dessus, hein, les NE, y a pas de souci. Hein. C'est juste, ça m'embête aussi pour les personnes sur TikTok qui se font emmerder parce qu'il y a des gens qui viennent commenter, ils foutent une mauvaise ambiance. Alors que 99% des gens sur TikTok, ils sont incroyablement sympas. Salut Galak, coucou les arrivants. Ok, elle est là. Allez, on se reconcentre dans le jeu. J'ai envie de monter à l'étage, hein. Pour moi, je suis sûr qu'il y a un truc à faire là-bas. Come here, brat. Attendez, oh putain, c'est sans issue. Je devrais lui refermer la porte à la gueule, non? Si je refermais la porte à la gueule, je me demande si...
Attendez, attendez, je pense qu'on peut la fuir. Contrairement au cauchemar, je pense qu'il y a moyen de la fuir là. Oh, imaginez, je tombe face à face avec elle là, si elle veut. Oh putain, oh putain, oh putain! Non! Get out! Oh mon dieu, j'ai cru qu'elle revenait. Ouais, j'ai cru que je rigolais trop. J'ai cru que je rigolais trop en avance, elle est revenue. C'est ça, la goutte de sueur, là. Pas d'électricité. Ok, il y a des fusibles à trouver. Ah, c'était dans les quêtes, il y avait des fusibles. Merci Zombie Killer pour les 2 sub gifts. Merci à toi. Coucou les arrivants. Elle attend que je sorte, tu penses? Vous pensez qu'elle attend? Merci beaucoup pour votre soutien. Elle est juste là. Elle est dans le couloir, c'est sûr. Ok. Oh, c'est quoi ce grillage? C'est quoi ça? Faut remettre le courant, non? Pas d'électricité, ok. Donc c'est à ça que vont servir les 2 fusibles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le distributeur? Non. Nun Cola. Il y a Coca-Cola maintenant, il y a Nun Cola. Le cola pour les nonnes. Putain, elle peut pas rester bloquée dans le conduit. On l'a semé. Je crois qu'on l'a semé. Oh mon dieu. Salut Torek, ça va? On a basculé en mode difficile. On était en cauchemar pour rigoler, mais c'est de la course-poursuite non-stop en cauchemar. Running won't save you from the truth. Ok, bon, on est revenu là. Là, il y a 3 fusibles à trouver. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Faut trouver 3 fusibles. Ok. Merci. Un grand merci pour les follow, les amis TikTok et YouTube. Vous faites que l'horreur ici. Soyez les bienvenus. Et pour rappel, si vous avez des petits diamants verts sur TikTok, vous cliquez sur le bouton partager. Et tout au bout, vous avez une option pour les dépenser. Et merci pour votre présence. C'était dans la cuisine pour la boîte à cookies? Ah, bah ouais, bah, en même temps, ça fait du sens, hein. C'est Nubia, bah hésite pas à envoyer sur Discord, il y a canal suggestion, ça m'intéresse. On va déjà faire celui-là tranquillou et puis Allez là. Putain, j'arrête pas de passer derrière son cul. Tant qu'il n'y a pas la musique stressante, c'est qu'elle m'a pas vu, on est d'accord. Hein. Non attendez, ça craint là, c'était grave rouge derrière moi. Non ! Attendez, je me mets à 4 pattes, attendez, je sais plus ce que je fais. Le problème c'est que je sais pas, tout à l'heure elle semblait loin et elle nous a tués d'un coup, donc maintenant j'ai peur de pas savoir à combien de mètres elle est. Do you think I won't find you? Take care of elle peut péter les murs, je pense. Tellement stressant parce qu'on sait jamais quel côté où elle va. Elle est partie. Elle est partie, c'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. Putain, le bordel que ça fait.
marqué, c'est un raccourci pour le grillage. Il y a la boîte à cookies. Moi, je voudrais trouver aussi les fusibles. Si vous étiez un fusible, vous mettrez... Où c'est que vous vous mettriez? Oh mon dieu, je me rends compte de la réponse et vous pouvez aider. Non mais, à part là, où c'est que vous mettriez si vous étiez un fusible? Dans une godasse? Dans la boîte à cookies, vous pensez? Dans un placard? Ah, peut-être qu'il y a une sorte de garage ou d'atelier. Putain, elle est là. Peut-être que je devrais fermer les portes, non? Pour pas qu'elle puisse me voir. Il y a une échelle. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Elle est là, il y a une échelle. On va la prendre. Il y a une échelle. Je pense qu'on peut la prendre, non? Dans la boîte à cookies, vous pensez? Salut Chess, coucou tous les arrivants. Oh putain, c'est une fausse échelle. Oh, je suis dégoûté, elle sert à rien. On descend dans la cuisine pour voir la fameuse boîte à cookies. Mais il parlait de clé à l'étage. Merci beaucoup, Animel. Repent, child. Non ! Ça faisait un moment, hein. Ça faisait un moment que je cherchais. Ah la vache, ça faisait un moment que je cherchais. Hein. Vous pensez qu'il y a une cave ? Ok, on va essayer de pas aller à l'étage. Ok, on va fouiller le rez-de-chaussée ou la cave, si on a une. Jour 3. Bah, je sais pas, on va voir, on va voir. Je dois être sage, je suis Kendro, et je serai pas sage. Attendez, déjà la main, elle disait quoi la main qu'il y avait ici? Je vais vous aider à vous en sortir. Ok, faut qu'on trouve les lettres en fait. Je pense que les lettres, ça va nous donner les indices. On peut lui lasser, on lui lasse les chaussures, comme ça quand elle marche, elle se pète la gueule. Ouais, non, t'as raison, zombie killer, tous les fusibles ne sont pas au même endroit, on est d'accord. C'est pas grave, on va fouiller le rez-de-chaussée plutôt maintenant. Les planches nous font un peu chier, mais... Oh, j'ai fait le con. Oh, j'ai tellement fait le con. J'ai balancé le bouquin devant elle. Putain, elle passe dans les conduits, quoi. C'est l'enfer, elle passe dans les conduits. Putain, j'ai vu plein de trucs à ramasser. J'ai vu plein de trucs à ramasser. Mais j'ai pas le temps, elle est derrière moi. Non, elle m'a... Don't run away, bookworm. Putain, mais elle m'a attrapé comment? Elle a un bras rallonge, c'est pas possible. Merci Cindy pour follow sur Twitch. Mais comme... Elle a un bras rallonge, c'est pas possible. Elle a le bras long, non? On est mort, on a fini tous les essais. Dernier jour, il reste encore un try. On va essayer de laisser en difficile, parce que ça se fait, je pense. Si vraiment c'est trop galère, on passera en mode normal, mais... Mais on avance déjà mieux qu'en mode cauchemar. Après, on voit les quêtes ici. Hein. Trois fusibles. Regardez en haut, après avoir traversé le pont, donc on n'est pas encore, et boîte à fusibles. Boîte à cookies, pardon. Allez là. Ah bah, de toute façon, c'est fait pour être chaud, hein, les amis. Hein. C'est fait pour faire stresser et... Pour ça, autant y jouer en mode bien difficile, quand même. Moi, je vois pas de cuisine ou de cave. T'as l'air pas d'être là. Oh mon dieu. On voit son marteau, regardez, il y a le bout. Oh mais attendez, mais à quel moment? Mais moi, je ferme les deux portes, mais à double tour. Je les laisse pas à moitié ouvertes comme ça, les portes du placard.
La cuisine, elle est à l'étage, c'est vrai? C'est une atounade, salut les arrivants. Elle est en bas ou à l'étage? En bas, je sais pas si on a tout fouillé. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait tout fouillé en bas. Oh mon dieu, quelle horreur. Elle chante sa petite chanson de l'enfer. Merci Jean-Pierre pour Flo. Bienvenue à la commu. Coucou les arrivants. Il y a une donne némoniaque qui nous court après pour ceux qui arrivent. On a été envoyé en colonie de vacances et la nonne elle a pété un câble, elle a un gros marteau et elle défonce tout le monde. Merci Sakura pour les 5 bits. Mais j'attends, là on l'entend plus trop. Une fois qu'on connaîtra un peu mieux la maison, ça ira. C'est le truc aussi, c'est que là c'est nos premières parties, on connaît pas la maison. Mais attendez, j'ai pas entendu arriver, vous l'avez entendu arriver? You'll be ready to work on the encore quelques laundry. Coups, tu pourras aller travailler à la buanderie. Vous l'avez entendu ou pas? Je l'ai pas entendu. C'est quoi cette sadique? C'est quoi cette sadique? C'est quoi cette sadique? C'est Vengeur Fantôme, coucou les arrivants. Ah la vache, finaliser comme offrande du rituel. En fait, les réalisations qu'on a, c'est toutes celles où on meurt, donc forcément. En continuant difficile? Pour moi, c'est bien de continuer en difficile. On a avancé, c'est juste qu'on connaît pas bien la maison. On va continuer en difficile, ok? Coucou les arrivants. Et vers 21h, on continuera The Witch House. Facile, non? Le but, c'est que ça stresse, que ça fasse peur. Si on meurt en mode facile, y a aucun intérêt. Elle est toute contente dans la période de Noël. Merci papa, merci maman. Mais je pense que c'est notre sœur, regardez. Là, je pense que c'est notre sœur qui essaie de nous écraser. Regardez, elle va quand même essayer de nous écraser. J'ai l'impression qu'elles sont toutes tarées. J'ai l'impression qu'elles sont toutes PCD. Regardez, lui aussi, il a pas l'air bien. Ah, il a les mains bleues! Il a les mains bleues! C'est lui qui laisse les lettres. Les amis, c'est lui qui laisse les lettres, il a les mains bleues. Merci Elise pour le follow. Bienvenue à Commu. Santé, Lolo Mochi. Je dois être sage, je suis Kenro et je serai sage. Je pense que le mieux c'est de passer par là au début. Je pense que c'est mieux. Salut Princesse Fallon. Sarika, ça, tu me diras ce que t'en penses. Il y a un canal au lit sur Discord, pour rappel, de la boisson au lit. Si vous avez des questions sur les goûts, quoi que ce soit, faut pas hésiter à poser. Ou combien de sachets mettre, etc. J'ai fait exprès pour qu'on puisse échanger nos astuces ou les goûts qu'on préfère. What? 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 There you are. Oh putain! Oh putain! Ok, le fusible, je crois que c'est pas random les objets, donc on saura où c'est. Le fusible, on sait où il est maintenant. Attendez, le fusible, ça fait deux fois que je le vois là. On n'a pas de map. C'était à l'étage, le compteur électrique? Vous vous souvenez ou pas? C'était à l'étage, non? Parce qu'on peut prendre qu'un seul objet à la fois. C'est à l'étage. Viens ici pour une minute. Non, non, ça va aller.
Oh mon dieu, regardez, la balle, elle a bougé, c'est-à-dire qu'elle était là. C'est l'enfer, des fois on voit la balle bouger, donc on sait qu'elle était là, on la voit pas, mais on sait qu'elle est là. I know you're nearby. Putain, elle arrête pas de dire qu'elle sait qu'elle est, que je suis là. Juste là. Ouais, elle est à côté, elle est à côté, elle est à côté. Regardez, là. À l'étage qui est juste là. Je l'entends. Elle me sent. Elle me sent. D'accord, quand on enlève les grilles d'aération, on fait un bordel. Je crois que c'est là. Et de 1. On saura où il est, c'est en bas. C'est au rez-de-chaussée. Il y a une sorte de chambre tout au fond à gauche de la maison, je crois que je visualise. Ok, il en faut encore 2. Salut Isabella, coucou les arrivants. Salut Amandine. Il y a un autre fusible dans la cuisine? Vous l'avez vu? Pas de spoil, hein, les amis. Hein. Si vous connaissez pas le jeu, vous pouvez participer, mais si vous connaissez, essayez de laisser les gens chercher. Oh mon dieu. Vous l'avez vraiment vu? Attendez, ça clignote rouge à travers le mur, je crois qu'elle est juste là. Il y a une main bleue? Ah putain, vous avez raison, c'est ça que vous parliez tout à l'heure. Il y a une main bleue aussi derrière, là-bas. Bah ouais, mais je peux pas l'atteindre. Elle est à côté. Attendez, je veux qu'elle parte, moi. Ouais, je les vois dans les objectifs, on l'a vu, là, aucune carte. Mais on l'a vu déjà, le journal de quête, les amis, vous avez pas vu? Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Ou alors ça nous dit l'emplacement. Bon, là, c'est marqué aucune quête. Après, ça nous dit que là, faut faire des trucs ici, c'est tout. Mais ça, on sait. Oh, le bordel. Attends, vous m'aviez dit d'être dans la cuisine. Ok, attendez, on va retourner dans la cuisine, c'était de l'autre côté. Oh mon dieu, elle est pas loin. Elle est en train de réciter ses trucs en... Je crois que la cuisine, c'est là. Je suis perdu. C'est là? C'est là. Oh, bravo, vous avez raison. Vous avez vu, on est en difficile là. On est en difficile, on avance. Hein. Non, je pense que c'est la bonne difficulté, difficile. Je veux pas qu'on y aille sans avoir peur, etc. Je pense que c'est passé à côté du jeu. Et de deux. Par contre, j'ai pas pris la lettre en bas au début. C'est ça qui donnait le journal de catch, je crois. C'est ça, Lily. Plus j'ai peur, mieux c'est pour vous, on est d'accord. Si vraiment on n'arrive pas à avancer, on descendra. Mais tant qu'on... Là, j'ai la sensation qu'on arrive à avancer. Je pense que le jeu,
Ce genre de jeu, il s'est pas fait pour être réussi du premier coup, donc... faut connaître la maison, etc. Plus on connaît où sont les objets, plus c'est facile, forcément. Au rez-de-chaussée, troisième, vous avez dit ? Salut Mel, coucou, ils arrivent. Ah putain, c'est pas là les escaliers, je sais plus comment on descend. Je sais plus comment on descend. Je sais plus par où on descend. Je pense pas qu'elle entend les gris ici. Putain! Fais chier. Oh mon dieu, on voit son regard s'allumer, elle a les yeux rouges, vous avez vu? Putain, il n'y a pas les escaliers? C'est où les escaliers, bordel de merde? C'est déjà plus fair qu'en cauchemar. En cauchemar, c'était impossible, on n'arrivait pas à la semer. Et elle faisait Google Gadget au bras et elle nous attrapait à l'autre bout de la pièce. J'arrive pas à trouver les escaliers pour descendre, je vous jure, j'arrive pas à trouver les escaliers. C'était à gauche de là où elle arrivait? Je sais déjà plus où par où elle est arrivée. Coucou les arrivants. Coucou Salem, ça va? Je crois qu'à partir de la salle qui est en feu, on voit les escaliers, mais je suis pas sûr. C'est pas là? Je crois que c'est là. Je crois que c'est là, les amis. Je crois que c'est là, regardez. Ok, il faut qu'on trouve. Il nous reste un troisième fusible à trouver. Moi, impeccable. Toujours content d'être avec vous. Sachant que si on meurt, on peut mourir plusieurs fois, les fusibles, ils restent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on meurt 5 fois, on a une mort définitive, donc... Donc en vrai, ça se fait, hein. Je sais pas si, à votre avis, je ferme les portes ou pas, c'est mieux. Il n'y a pas de fusible. J'ai l'impression qu'il faut fermer les portes à chaque fois, non? Il n'y en a pas. Ça va où, ça? Les chiottes? Putain, je me suis ouvert la porte dessus. Pas loin. Je sais pas, je chiotte parce que je suis à fond dedans, faut être discret. Je m'immerge dans le jeu, tout simplement. Salut Logan, coucou les arrivants. Ah, peut-être qu'elle perdra du temps si je ferme les portes. C'est pas bête. C'est Sœur Sourire, Big Door. Oh putain, oh putain, oh putain, elle était là. Elle était juste là. Non, non, limite, je parle plus fort quand il y a le micro activé. Merci SND pour le follow sur Twitch, bien connu. Coucou les arrivants. Merci pour vos follow, les amis, sur TikTok et YouTube aussi. Soyez bienvenus. Fait que de l'horreur ici. En mode ASMR, ouais. Attendez, il y a la musique qui s'arrête pas. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est par là. Je sais pas pourquoi. Attendez. J'ai envie de péter la Vierge Marie. Parce que je me dis, il y a peut-être le fusible de caché dedans. J'ai l'impression qu'il y a des trucs cachés dedans. On le fait. Ava, is that you? Non, non, c'est pas moi!
Elle a demandé si c'était moi. Je pense qu'elle pensait que c'était une autre bonne sœur. Elle fait « Is that you ?» Oh putain. Oh putain. Des fois, on voit ses yeux traverser les murs. Je suis rentré, je fais la lessive. Putain, ça ferme pas cette porte. Oh bah c'est où on a commencé. Ça se trouve le fusible il est juste au début. Je trouve pas ce troisième fusible, ça me rend dingue. C'est pas dans les chiottes. Je trouve qu'on avance bien en plus. Attendez. Vous me dites, hein, si vous le voyez, vous me le dites. Alors, spoilez pas si vous connaissez le jeu, mais si vous connaissez pas, cherchez avec moi. C'est le but, hein, qu'on le fasse ensemble. Elle se remet à chanter. Dehors, je pense pas que ce soit dehors. Hall d'entrée, c'est vrai? Je vais te casser les genoux. C'est elle? Oh, c'est elle. Avant qu'elle soit transformée, possédée. Statue, c'est peut-être que des leurs, ouais. Non, tout à l'heure, il y avait quelque chose dans une des statues, je crois. Elle fait ses vocalises, ouais, pour The Voice. But I, the voice of Thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Si arrive par là, je suis dans la merde. Oh merde, mais il n'y a pas d'issue. Attendez, c'est quoi? Ah si, c'est bon. Vers le hall d'entrée. On ouvre la porte, comme ça si elle arrive déjà on peut se barrer. Franchement je vois pas hein. Merci Johan pour les 4 mois de sub. Merci infiniment, comment tu vas Johan? Et merci Itia pour le follow sur Twitch, bienvenue à la commu. Et bienvenue, bienvenue aux arrivants, merci pour les follows sur YouTube et TikTok aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aimez les jeux d'horreur. Franchement, je le vois pas. Hein. Je le vois pas ici, moi. Merci Mémélie également pour Flo. Bien la commu. Dans le berceau. Alors, j'ai pas vu de berceau, moi. J'ai pas vu de berceau, hein, les amis. Hein. C'est vrai, Yvan. Merci Gun également pour Flo. Bien la commu. On cherche le troisième fusible. Sans spoil. Mais ici, j'aime bien faire les jeux d'horreur avec vous. Les placards, je pense pas, c'est pour se planquer. Pour l'instant, on n'a jamais rien trouvé dans les placards. J'ai un doute sur les livres. Je me demande si ça pourrait pas être planqué dans un livre. Mais là, moi, je le vois pas. Je pense pas que ce soit dans le hall d'entrée. Attendez, c'est peut-être pas loin d'ici. Oh mon dieu, la trace de sang. Oh ! Si on prend la note. Si on prend la note. Ok, maintenant, on a les quêtes qui s'affichent. Trouver 3 fusibles. Ah, c'est marqué, vous avez raison. Je comprends du coup ce que vous disiez tout à l'heure, autant pour moi. Vous en trouverez un dans la cuisine, un dans la salle à manger et un dans la chambre d'une nonne. On a trouvé la cuisine, l'autre on a pris quoi? C'était une salle à manger ou la chambre de la nonne, le deuxième qu'on a pris? Merci Sancho également pour follow sur Twitch, bien commu. C'est dans la chambre? C'est la chambre de la nonne? Ah, à l'étage, c'était marqué la sœur, sœur Véronica, je crois. On l'a vu dans la chambre, donc il reste la salle à manger alors. Ok, il manque la salle à manger qui est à l'étage. Ok. Ok, attendez. Alors, ah oui. Ok, donc on retourne à l'étage. Quel enfer, on s'est fait chier à redescendre. Oh, à remonter. On joue avec le feu, hein, moi je vous le dis. L'étage est là. Okay.
vrai qu'il y a un petit côté Resident Evil 7 dans la couleur. Un peu... Salle à manger, c'est ça, non? Ok, il faut qu'on ouvre nos yeux. Je pense qu'il y en a un qui est ici. Je pense que c'est ça, la salle à manger, les amis. Ça, c'est juste pour se planquer, je pense. On va quand même checker, mais... Ça ressemble à une salle à manger, vous êtes d'accord, non? Ah non? Là, 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 ok, parfait. Il faut retrouver où c'est qu'on les met. C'est là? Non, c'est pas par là. Putain, je suis perdu dans cette maison. Ok, on va pouvoir actionner le levier. Par contre, ça nous donne pas, ça nous fait pas ouvrir la... Ça fait ouvrir un grillage. Mais en aucun cas, ça nous donne les clés qui nous manquent, hein. Oh, la discrétion à chaque fois, je vous jure. Je sais pas comment elle fait pour pas nous entendre. Je suis complètement paumé. Je suis paumé. Merci Arctony pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. On l'entend parler, elle est remontée à l'étage. Regardez, ça on va pouvoir l'ouvrir quand on l'a mis, ok? Je pense que ça c'est la prochaine étape si vous voulez mon avis. Parce que c'est regarder en haut. Après avoir traversé le pont dans la pièce voisine de l'entrée principale de l'école. Rien compris. Et boîte de cookies, elle doit contenir quelque chose d'important. Impossible de l'ouvrir, peut-être faut-il faire tomber d'un endroit plus haut possible. Moi je pense que c'est ici, ça va s'ouvrir après. Là, vous voyez une boîte à cookies? Bon, attendez. Là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, on l'a. J'ai mis un levier, je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être pour mettre le courant. Et franchement, on avance. La porte a fait beaucoup de bruit. Putain, porte verrouillée, attendez, elle arrive. Que je fasse ça. À chaque fois, je veux tourner autour des armoires. À chaque fois, j'essaye de tourner autour des meubles. À chaque fois, elle me chope. Faut pas que je fasse ça. Attendez, c'est pas grave. Jour 2 seulement. Et attendez, on a quasiment tout fait au premier jour. On a quasiment tout le premier objectif, on l'a fait en un jour. Il y a 5 jours, non? Je dois être sage. Je suis Kenro. Et je serai sage comme tout. Comme l'est le chat. Bon, la porte, elle est déjà ouverte en haut. Le chat est toujours sage? Est-ce que le chat est toujours sage, selon vous? Toujours? Bah, il clignote? Je vois pas clignoter, moi. Je vois retour au jeu, mais... Là, on a ouvert une grille en haut. Faudrait qu'on regarde. J'imagine qu'on n'a pas ouvert une porte pour rien, non? Peut-être que je me trompe, mais... Merci, Oumaïf, pour follow sur Twitch. Même la commu. Oui? Oh, la mauvaise foi. Attendez, on va aller voir déjà en haut, ok? Un peu la confiance là, non? J'y vais en mode droit devant. Et après, je sais plus où c'est. Et après, c'est par où? Oh, je comprends rien où je vais. Merci Priscilla, ça fait 7 mois la vache. Merci infiniment pour ta présence, Priscilla. Merci à toi pour ton soutien. Putain, mais je suis perdu. Après, faut peut-être que je regardais, il y a un code couleur. Il y a des parties qui sont jaunes, d'autres rouges. Enfin, roses. Ah, merci Navi, c'est le grand fantôme au bout des 6 mois. Merci à toi, Navi, également, pour ton soutien. Oh putain. Attendez, faut pas qu'on reste à côté à chaque fois, je fais la connerie de. Je prends trop de risques.
Quelle horreur, c'est mis en conduit. Désolé, ça me fait stresser quand je la vois débarquer d'un côté qui était pas prévu et du coup je... Oh j'ai déconné, on avait bien réussi le premier jour. Elle s'est foutue, elle est rentrée dans le conduit comme ça. L'enfer. On dirait comment il s'appelle ce film d'horreur qui se passe chez des grands-parents qui sont pas leurs grands-parents. Il y a une scène où elle avance comme une araignée dans les conduits, je crois. Ou sous la maison. The Weeknd, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Ok. The Visit, merci. C'est ça, The Visit. L'enfer, ça m'a fait penser à ça. Là, elle nous laisse tranquille un peu. Bon, retournons à l'étage. Là, je vois rien qui clignote. Moi, je suis curieux de voir ce qu'il y avait dans la salle là-bas qu'on a ouvert. On a forcément pas tout fait ça pour rien, vous voyez ce que je veux dire? Oh! Apprendre le plan de l'école est le meilleur moyen. Bah ouais, c'est pour ça qu'on s'améliore à chaque fois. Bon, à part que je... Je sais pas retrouver mon chemin, mais... Putain, faut qu'on retrouve le... Escalier. Les amis, je répète une fois, je vais pas pousser 15 000 gueulantes. Notamment adressé à, pas à la commu TikTok qui me suit, mais aux 2-3 plaisantins qui passent. C'est pas parce que vous êtes caché derrière un téléphone que genre on a grandi ensemble et que vous devez me parler n'importe comment, ok? Je suis streamer, je suis pas là pour me faire parler n'importe comment. Ça me fait plaisir qu'on ait une relation en mode comme des potes, etc. Par contre, je suis pas votre mère, vous vous calmez. Et si vous comprenez pas ça, ça dégage. Je vais pas le dire 15 000 fois. Mais à un moment donné, vous accepteriez pas de vous faire parler comme ça, ok? Donc parlez pas d'une façon dont vous accepteriez pas dont on vous parle. Tout simplement. Juste la base. Et franchement, les modos, merci à vous, mais je pense que vous passez trop de temps à expliquer. Et à un moment donné, vous êtes pas là pour faire l'éducation des enfants qui passent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, les modos, s'ils comprennent pas, c'est pas votre problème, c'est le problème de leurs parents, au pire. Mais c'est pas le vôtre, donc muté ou banné, et c'est bon, quoi. Hein? Surtout, vous voyez, regardez, après, ça prend la tête à tout le monde, ça part en conflit dans le chat. Donc, écourtez les conflits, bim, direct. Allez, on continue. Merci, Elena, pour follow. Bienvenue à la commu. Oh, putain. Elle est à l'étage? Thank you. Elle est passée à l'étage, déjà. Merci, Nessou. Merci pour ton sub gift. C'est Gizouille. Elle est passée. Elle est en haut. Merci Nessou pour ton renouvellement. C'est les 2 mois. Merci à toi. Et merci pour la vague de sub gift sur TikTok. Merci à Erandir pour le sub. N'hésite, pour ton renouvellement. Merci à toi. Allez, on y va. C'est à l'étage, hein, la grille, mais j'arrive pas à retrouver, c'est à côté. Ah, c'est là, putain! Ok, c'est à droite. Faut retenir, les amis, c'est directement à droite qu'on monte en haut des escaliers. Je serais pas étonné que la boîte à cookies, ça soit par là, ou une connerie du genre. Oh! Il y a des poules, mais what the fuck, il y a des poules! Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, donc il y a 2 ans et quelques mois, et 2-3 mois. Mode photo. N'écrains, je suis à tes côtés. Ne sois pas consterné par le fait que je sois ton dieu. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Merci Mrs. Emirage pour ton set gift aussi. Merci à vous les amis pour le soutien. Désolé pour les petits coups de gueulante, hein, j'aime pas trop gueuler, etc. Mais je préfère le faire en début de live et que ça soit clair et net. Comme ça les gens ils comprennent s'ils sont bad ou quoi que ce soit. Plutôt que les modos se fassent insulter en MP, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, il y a toute une... Il y a toute une belle rubrique. Oh non, attendez, on va être coincé là, comment on va faire? Merci Nalak pour ton sub, nouveau petit fantôme, merci pour ton premier mois de sub sur Twitch. Salut la four. Ok, donc il y a toute une nouvelle section.
pense que c'est là où il va y avoir un délire avec la boîte à cookies, peut-être le pont. C'était en haut après le pont? C'est le pont, ça, vous pensez? C'est le pont? Je suis pas sûr que ce soit le pont, ça. C'est qu'il fallait regarder en haut après le pont. On est arrivé ici. C'est le pont, ça? C'est le pont, à votre avis? Attendez. Après avoir traversé le pont, dans la pièce voisine de l'entrée principale de l'école, là, on allait dans l'école, suivez les indications du tableau. Vous aurez besoin d'un objet long. Le pont, c'était avant? Ouais, c'est immense, hein. C'est ça, le pont? Je vois pas. Y a rien, on est d'accord, hein. Après, il parle de pièces voisines. Oh mon dieu, elle est en train de pleurer ou quoi? Vous avez besoin d'un objet long. Attendez, on n'a pas très bien fouillé ici. Là, c'est bloqué. Peut-être qu'il faut un pied de bûche. Ah, merci Strike, pour nouveau petit fantôme. Merci pour ton premier mois de sub aussi. Merci à toi. Ça soutient énormément, les amis. Merci à vous. Un pied de bûche, ouais. Je pense que c'est pas ce pont-là. C'est pas ce pont-là, on est d'accord, hein. À gauche de la pièce? Là? Par là? Je vois rien, je suis aveugle, vous voyez? Vous voyez quelque chose ou pas? C'est oui, Jessie. Pour moi, il n'y a rien, hein, les amis. Dites-moi dans le chat si vous voyez un truc, mais... Elle est triste que je sois pas encore là. Merci Nolwenn pour follow sur Twitch et merci pour les follow chez les amis YouTube et TikTok. Soyez les bienvenus. Il y a une porte. Ouais, mais je peux pas la prendre. Regardez, c'est barricadé. Je peux pas. Franchement, là, je peux rien faire, les amis. Hein. Il y a rien. Hein. Ouais, pour moi, c'est pas l'entrée principale de l'école, ça. Pour moi, l'école, c'est où on était après. Je pense. Hein. Je pense que là... Bon, ça, c'est bloqué. Attendez, vers les poules, il y a quoi? Et c'est quoi ça? Ça mène où? Porte verrouillée de l'autre côté. Il y a d'autres enfants qui pleurent. Je crois qu'il y a d'autres enfants qui pleurent. Mais attendez, mais elle m'a chopé de super loin! Elle m'a chopé de super loin, c'est n'importe quoi. Elle a un bras rallonge, non, c'est pas possible. Elle m'a chopé de super loin. Dernier jour. Putain, fait chier, on avait bien avancé. Elle m'a vu de la fenêtre. Je suis Kendro et je suis de moins en moins sage. Oh, pas besoin, Marge, ça a été ban. Merci pour votre réactivité, les modos. Madame Elastique, c'est ça? On est d'accord, hein? Si je meurs, je recommence tout du début, on est d'accord. Peut-être qu'on passera en mode normal pour essayer de terminer au moins une première mission. Je sais pas. Je sais pas si ça sauvegarde ça, si je meurs complètement. Ça, vous pouvez me le dire. Merci, Nalak, pour les 95 bits. On trouve les escaliers et après c'est tout de suite à droite. C'est là. Ok, escalier ici et après c'est à droite. J'ai pas vu dans la boîte sur l'étagère de la chambre. Ah si, j'ai vu tout à l'heure, mais ça fait un bip bip. Vous pensez que je peux la faire tomber encore plus haut? C'est vrai qu'on n'est pas retourné voir la boîte qu'on avait vue au début, vous vous souvenez? Qui faisait stresser. Putain, faut qu'on retrouve la chambre maintenant. C'est là. Ah bah non, c'est pas là. C'est là? Je crois que c'est par là. Oh, je suis perdu à chaque fois. Putain, faut qu'on retrouve notre chambre, les amis. Il me semblait que c'était de ce côté-là.
Je suis perdu, je retrouve plus notre chambre. C'est qu'il y avait une boîte. Oh putain, elle est là, elle est là, elle est là. Merci Tom pour le follow. Bienvenue à la commu. C'était vers l'étoile d'araignée ou pas? Je me souviens pas. Là, il y a l'étoile d'araignée. Ça va, Ragdolls? Coucou les tous les arrivants. Là, je crois que ça menait là. Je crois que ça mène à la chambre, ça, là où il y a l'étoile d'araignée. Ok, c'est là. Vous pensez que c'est la boîte à cookies, ça? C'est pas la boîte à cookies, ça. Mystérieux appareil. Rien ne se passe. Non, je pense que c'est pour après, hein. Donnez pas la soluce, les amis, hein, pour rappel. Vous pouvez participer, mais quand vous donnez quand vous dites qu'il faut trouver un objet précis, c'est qu'a priori, je pense que vous connaissez le jeu. Ok, on va reprendre les escaliers. Et je suis curieux de savoir si on reprend tous les objectifs du début, si on meurt. Revenez plus tard pour un nouveau conseil. Merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup comme conseil de revenir plus tard. Putain, j'ai cru que c'était elle, ça. Ok, les escaliers en face de l'entrée et ensuite c'est à droite. Pas de soucis, Tom. Maintenant, tu sais. T'inquiète. Ok, on revient là. Faut pas avoir envie de pisser avec le bruit de... C'est des Santini. Et on continuera Bridge Curse après, hein, vous en faites pas. On a encore deux soirées dessus normalement. Moi je me demande si c'est pas ça l'entrée principale de l'école. Après avoir traversé le pont, je pense qu'en fait, ce qu'ils appellent le pont, c'est toute cette section-là, dans la pièce voisine de l'entrée principale de l'école. Suivez les indications au tableau. Après, ça ressemble pas à une entrée principale. Il y a des tableaux à lire ici? Je coule board, ça ressemble à ça, hein. Ça ressemble à ça, hein. Suivez les indications du tableau, vous aurez besoin d'un objet long, donc je pense que... Non, je pense qu'il y a un balai vers l'entrée de l'école. Oh mais c'est abusé, mais elle me voit de super loin, c'est Superman, elle voit à travers les murs, non? Je me barre loin cette fois, j'essaye pas de tourner autour des trucs. Là, il faudrait un placard où se planquer. C'est bon, j'arrive à peu près à me repérer, mais alors vite fait, hein. Merci Juju de vrai pour le follow. Bienvenue à Commu. Salut les arrivants. Salut Sayan. Allez, pas loin, longtemps. Attendez, je vois si je peux voir un coup. Profitez. Remember, the eyes of a more baphomet. Elle est folle. Allez. Oh, quelle horreur! C'est le pire. Le pire, c'est qu'on la voit à travers le conduit d'aération. C'est le pire. C'est l'horreur. Putain, elle court. Elle court. Je sens ses yeux. Je sens son regard sur moi. Si je lui fais à l'envers et que je pars de l'autre côté maintenant. Oh putain, je crois qu'elle est partie de l'autre côté. Je crois que c'est bon, là elle est là. Après je pense qu'elle peut se TP, non? Première fois, oui, je découvre les amis. On est en mode difficile. On a ses cauchemars, mais je pense que cauchemar, faut quand même connaître un peu le jeu parce qu'elle elle est en course poursuite non-stop. Donc c'était marrant au début, mais... Ok, donc je pense qu'à l'entrée... Je pense qu'il y a... Non mais il y a trop de règles, je vais pas tout lire. Oh, c'est toutes les bonnes sœurs qui... Ah, mais attendez, mais c'est pas possible. Problème digestif, hein, la personne qui... Pensez que c'est la bonne sœur qui est... Pensez que c'est la bonne sœur qui est allée aux toilettes, qui a fait ça. Oh,
Mon très cher fils, c'est de nouveau ton anniversaire et je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde tristesse à aider notre séparation. Aujourd'hui, tu as 21 ans et je ne t'ai pas vu depuis 17 ans. Je sais que tu traverses une période difficile financièrement. Je possède une entreprise prospère qui m'aide à me distraire. J'espère que cet argent joint à cette lettre t'aidera. Si tu reviens ici, tu en recevras bien plus. Je prie pour le jour où je pourrai te serrer dans mes bras et te dire à quel point je t'aime. J'espère que... On s'en fout. On s'en fout. Attendez, il est en train de... il a l'air trop bien le nouveau niveau. Il y a plein de trucs là-bas. Merci Fana et Firdo pour vos follows sur Twitch. Bienvenue à la commu. C'est quoi qui brille là? La boîte à cookies, non? Je pense que c'est la boîte à cookies, il faut le pied de bûche. Oh, le violon. On peut transformer un violon. Un violon. Au secours, j'ai failli dire. Merde, quel con, je vais l'attirer. J'attire, je crois. C'est fait pour l'attirer, je... Oh, il y a une porte rouge à la Insidious Kenro. Eh ! C'est ma chambre ! C'est ma chambre ! J'ai cru qu'il faisait un fuck. En haut ? Oh ! Ah putain, on peut décaler un truc, regardez. Ici. Un peu pour qu'on se mette en tête. On se croyait dans Resident Evil avec eux. Mon très cher fils, je suis ta mère. J'espère que cette lettre t'apportera du réconfort en ces temps de deuil suite à la mort de Joseph. Je peux pas prendre le temps de tout lire, les amis. On relira après parce que elle est pas loin. Oh, merci Seb pour les 3 mois de sub. Ces petits fantômes oublient les 3 mois. Et ben merci beaucoup à toi pour ton message. Et merci Hugo pour le follow. Bienvenue à la commune et Florian. Et merci pour les follows sur YouTube et TikTok aussi. Soyez les bienvenus. Non, je peux pas sauter. Putain de merde, elle m'a vu. Ah là, faut que je fasse gaffe parce qu'elle court super vite. Et elle a un bras rallonge en plus. J'aurais bien fermé la porte, mais j'arrive pas à la fermer, à me retourner et là. Ah putain, il y avait un sous-sol. Il y avait un sous-sol. Oh mon dieu. Oh, j'ai imaginé, ça s'ouvrait pas. J'avais trop peur que ça s'ouvre pas. Et on a trouvé une autre section. Putain, elle me poursuit encore, il y a la musique de l'enfer qui... Oh putain! Non! Ah! C'est fermé! Putain, je suis dégoûté! Elle m'a explosé la tronche. I'll make sure to tighten your mask until it hurts if you keep doing this. Ah, je suis deg. Les amis, on recommence tout du début, les objectifs ou pas, pour savoir. Après, on sait où c'est, hein, mais je me tâte à passer en mode normal pour avancer ce niveau quand même. Avancer un peu. C'est 50 Teens? Eh ben tant mieux. Oh mon dieu, vous pensez que c'est la tête d'un enfant, ça? Ah non, c'est un masque, elle nous met sur la tronche, non? Ah, ça conserve? Merci mon Pesata également pour follow sur Twitch. Coucou les arrivants. Est-ce que ça recommence tout du début, les amis? Je pense que ça recommence tout du début. On va peut-être en mode normal pour avancer. Je crois qu'il y a beaucoup de niveaux, je sais pas combien il y a de niveaux, mais on essaye en normal pour voir, pour avancer un peu, comme ça on arrive direct dans la deuxième section. Merci Mia également pour Flo, bienvenue à la commu. Merci Curdent pour les 2 mois de Prime, merci à toi, c'est pour Flo, également. Le jeu est chaud, ouais, mais parce qu'on sait pas où aller. Une fois qu'on sait où sont les objectifs, je pense que c'est beaucoup plus facile, c'est pour ça. Merci Fafa pour le follow également. Ah, et coucou Isuzu. Hey, c'est Isuzu, c'est sœur Isuzu, regardez. Isuzu, elle me dépose... elle dépose bébé Kenro en colonie de vacances. Et regardez maman Isuzu, comme elle conduit bien. Regardez. À un concert de K-pop, elle est pressée, du coup elle met le turbo. Day One. Bébé Kenro doit être sage, c'est vrai. Bon, on sait où sont maintenant les fusibles, ça va aller vite la première partie.
Je dois être sage, sinon maman Isouzou va me mettre la fessée. Je vais écrire ça. Attendez, c'était tout à l'étage? Je crois que c'était tout à l'étage, non? Il y avait la salle à manger, la chambre et la cuisine. Je me souviens, je crois. Tout était à l'étage. Ok. Je pense qu'il faut pas qu'on la sous-estime à un moment normal parce qu'elle peut courir dans les conduits et tout. Oh putain, non mais c'est l'horreur. Franchement, quand elle se déplace à quatre pattes dans les conduits, c'est la scène d'horreur absolue. Qu'est-ce que je fais? Je vais où là? Une autre porte au moins? Eh ben j'ai de la chance qu'il nous ait pas suivi. On a la chance qu'elle nous ait pas suivi. Je me cache, je suis un bois. Je suis une bûche. Je suis une bûche. Elle est là, regardez, on voit ses yeux. La couleur rouge, c'est ses yeux quand elle regarde. J'ai parlé trop vite, on est d'accord. C'est moi, elle est repartie. Salut Cathy, coucou les arrivants. Elle me voit là ou pas? Wouh! Ok, on va à l'étage, il y a les trois fusibles. Et après, on peut foncer direct à l'école. Elle est partie sur la droite, je crois qu'on peut être à l'étage. La chambre de la bonne sœur, elle est juste à côté de l'entrée, non? Elle est pas par là? Oh, je sais pas où elle est la bonne sœur. Est-ce qu'on commence par le fusible où on sait où c'est? Parce que le salon et la cuisine, je saurais trouver, mais... La chambre de l'autre bonne sœur, je sais pas. C'est la cuisine, ça, non? Ok, parfait. La cuisine, c'était... En vrai, que les objets soient toujours au même endroit, c'est bien. Et il n'y a plus le fusible! Ça a changé? Attendez, ça a changé? Ah non, non, non. Salut Elena, coucou tous les arrivants. Je trouve plus le fusible. Bah. C'est bizarre. Vous le voyez, vous? Je vois pas le fusible. Il y est plus, c'est quoi ce bordel? Il est déjà mis à votre avis? Bah. C'est bizarre, non? C'est que c'est déjà ouvert? Non? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourtant dans la lettre ça dit que c'est dans la cuisine. Bah ça met dans la cuisine là. Après il est peut-être dans la cuisine mais dans un autre endroit de la cuisine, non? Attendez, salle à manger, il y en a un. Là elle nous laisse un peu plus tranquille pour l'instant, elle met plus de temps à monter et à nous retrouver. Il y en avait un là tout à l'heure. Ok. Faut peut-être les faire dans l'ordre, non? Peut-être qu'il faut les faire dans l'ordre. Ok. C'est là, ok, on a le premier. Faut peut-être les trouver dans l'ordre. Hein. Ah, faut peut-être ouvrir la boîte à fusil pour les faire apparaître, c'est pas bête. Ouais, ok, on va recheck la cuisine. Putain, mais je le vois pas, c'est un truc de fou quand même, faut pas le voir. Il a changé de place. Ok, en fait c'est dans la même salle, mais ça peut changer de place. On est d'accord que c'était sur la table, non? Il me semblait que c'était sur la table. Ouais, on est d'accord, rien de dire, ça a changé. Ça a changé de place, hein. Ok. Ensuite, c'est dans la chambre de la bonne sœur, je sais pas du tout où elle est. C'était pas en bas. Attendez, la bonne sœur, la chambre de la bonne sœur, c'était au rez-de-chaussée. Je crois que la chambre de la bonne sœur, souvenez-vous, c'était au rez-de-chaussée, c'est le premier que j'avais chopé. Je crois que je me trompe. Il y en a deux à l'étage, mais il y en a un qui est au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai marché sur un cadre. C'est elle? C'est son ombre là?
Pas les escaliers. C'était en bas. Hein. Pourquoi je galère autant à trouver ces escaliers, vous m'expliquez? Ok, c'était en face de ça. Elle aussi, elle est en face de ça. Oh, oh putain, je suis dans un cul-de-sac, faut pas qu'elle vienne. Il semblait que c'était pas. C'est là. Putain, mais c'est juste là, j'avais pas vu. Ok. Et là, je pense que c'est par... Je sais pas. Je crois que tout à l'heure, il y avait une porte, c'était marqué Sœur Véronica. Non, c'était pas marqué ça? Merci Sylvain pour le partage. Ça va, Lucie? C'était marqué Sœur Véronica. Peut-être là, non, ça chante. Ça ressemble à une sœur, une chambre de bonne sœur, ça, non? Putain de merde. Elle va quand même vite. Hein. Faut que j'arrive à mieux lui refermer les portes à la tronche. C'est là? Ah, alors là, on n'a pas envie d'y venir. Ok, c'est où? C'est tout pété. Ok, on remonte à l'étage, on est bon, on peut aller à l'école. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Elle est là. Elle est là. Ok, elle est partie, je crois. On se grouille. Normalement, c'est tout droit. Où faut mettre le fusible. Et après on a le portail. Le portail c'était à droite en montant les escaliers. Putain elle est juste là. Regardez-moi cette dingue qui traîne son marteau par terre. Merci Margov pour le follow, bienvenue à la commune. Chut. Putain ça gueule quand on fait l'objectif. C'est qu'elle est par là comme par hasard. C'est là. C'est là. Ça va. Ça veut dire que... Ok, faut qu'on se grouille. C'est à droite. C'est à droite. Ok. Donc là faut qu'on fasse gaffe parce que soit c'est elle qui se téléporte, soit il y en a une autre ici, dans l'école. Dans l'école on n'avait pas tout fouillé. Regardez en haut. Je vois pas où c'est pour l'instant. Après je regarde jamais en haut mais... Après on a parlé de balai tout à l'heure. J'imagine qu'il y aura un balai quelque part à trouver. Ça ressemble à... Je suis pas sûr que ce soit à l'entrée principale. Attendez, il y a un homme... C'est moi ou elle mange un hamburger? Ah non, c'est un crâne. Vous pensez que les flèches, elles vont se mettre à... Les croix, elles vont se mettre à l'envers? Oh mon dieu, il y a même des draps blancs. Oh... Je suis sûr qu'il y a un truc intéressant là-dedans. Sinon, ils n'auraient pas cadenassé. Il n'y a rien là-dedans, on est d'accord. Hein. Il y a juste le placard, mais il n'y a pas de... Oh! Oh! Est-ce qu'on n'irait pas voir là où il y a le plafond, c'était ouvert? Vous voyez, pour ouvrir... Non, il y avait une espèce de plafond défoncé. Ok, maintenant on saura que le balai, il est dans cette pièce.
Merde, quel con, je fous des coups de... J'ai foutu que j'ai fait... Bam. Elle a entendu? Je suis vachement discret avec mon balai qui dépasse. La discrétion à coup sûr. Elle va voir un haut de balai se déplacer derrière la table, elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai, Jess? Bah même si je l'avais dans ma to-do list, faut remercier la fée pas chier qui me l'a offert. Du coup, je le fais plutôt que ce que j'avais prévu. Là, il y aura un code à un moment donné. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Il faudrait qu'on retrouve l'endroit. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu! L'enfer. Mais par toi, putain, mais par toi. Tu fais cela pendant 15 ans. Plafond était abîmé. Putain, je l'entends marcher. Je reviens. Chut. Putain, le bordel que ça fait quand on ouvre. Non, c'était pas ici. C'était pas vers le théâtre. Ce que j'ai peur, c'est d'ouvrir une porte et qu'elle soit juste derrière. Là, je vais faire un arrêt cardiaque si c'est ça. Ça, je sais que des fois, ça arrive. Oh. Ok, attendez, une porte. Oh non, ça doit être là. C'est là. Ok. Est-ce que là, on peut défoncer le plafond? J'essaie de balancer le balai comme ça. Oh, ça va faire du bruit, faut que je fasse gaffe. Ok, c'est pas ça, je peux pas y aller. Ah si! Si, c'est ça! Oh, on a le pied de bûche! Merci Justine et Margoff pour le follow. Bien, bien connu. Ça fait du bruit. Ok, faut qu'on se barre. Putain, mais... Enlève ta merde et... Faut être con pour l'ouvrir la porte. En fait, j'ai changé d'avis. J'ai ouvert la porte, je l'ai barré et j'ai calculé qu'il y avait un placard. Du coup, j'ai fait demi-tour. Résultat, j'ai ouvert la porte. Merci Jenny pour le don sur Ko-fi. Merci à toi. Je l'ai invité à dîner là. Attendez, est-ce qu'elle fait des feintes comme tout à l'heure? Elle va faire genre, elle part et elle va revenir. Elle se barre. Merci Ellie pour follow sur Twitch. Les liens connus. Je pense que j'ai bien fait, hein. J'ai bien fait de faire demi-tour et de me cacher, même si j'ai ouvert la porte, on est d'accord. Le pied de bûche, vous connaissez pas? Ça fait partie des expressions de la chaîne. Avec lampe de torche, la chair d'ampoule. Okay. Qu'est-ce qu'on ouvre avec le pied de bûche? Oh, regardez en haut, c'est bon, on l'a fait. Boîte à cookies. Ok, je pense que ça va nous permettre d'ouvrir une porte qui va mener dans un endroit où il y aura la boîte à cookies. C'est ma chambre. Et la police. Tout à l'heure, vous pensez que ça pète toutes les planches ? Merde, mais quel con, mais quel couillon, je me plante de... Merci Lumi Phoenix. C'est vrai? Merci beaucoup à ton message et ton message pour les abonnés. Merci infiniment à toi pour les 6 mois, c'est le grand fantôme en plus. Belle évolution, merci à toi. Oh non, je suis allé dans un cul-de-sac. Ok, faut qu'on trouve... Alors, spoiler pas, hein. Salut Buffy. On va essayer de trouver ensemble où c'est qu'on peut utiliser ce pied de bûche. Dans le théâtre? On va voir.
Merci pour vos follows sur TikTok et YouTube. Vous faites bien de follow sur TikTok parce que des fois ça arrive que ça coupe, là on a la chance, ça n'a pas coupé. Mais si vous aimez l'horreur, n'oubliez pas de follow pour retrouver la chaîne. Et n'hésitez pas à faire un coucou sur Twitch, je vous ferai gagner des jeux d'horreur. On fait gagner des jeux d'horreur sur Twitch une fois par semaine. Et vous pouvez suivre sur les deux applis en même temps, hein, y a aucun souci. Mais le giveaway, le tirage au sort, je fais à un seul endroit. Et jeudi soir, je vous ferai gagner des jeux d'horreur. Et notamment, vous pourrez gagner Master of Puppets, le jeu avec les poupettes, avec les poupées. Enfin, avec les marionnettes qu'on a fait il y a pas longtemps. Et coucou aux arrivants, salut Hélène. Ok. C'était vers le violon ? Mais vers le violon, moi j'ai pas vu de boîte à cookies. Hein. Ah ! Ça faisait un moment qu'elle avait pas gueulé avec la... Oh merde. Oh putain, pied de bûche, sans s'interdire, enfin... Voix sans issue. Cul de sac. J'ai sorti tous les mots de mon dictionnaire. j'avais plus trouvé le mot, j'ai sorti tout ce que j'avais en tête. C'est bon. J'ai sorti tous les mots sans s'interdire, j'avais plus... En fait, je cherchais le mot cul de sac, je savais plus ce que c'était, j'ai sorti tout ce que j'avais, je sais pas, ce qui pouvait se rapprocher. C'est bon, allez, reparti là-bas. En fait, j'ai le son à fond, et ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu le gros bruit qui partait à fond, et du coup, ça m'arrache les oreilles, ça me fait encore plus crier, ça me fait encore plus sursauter. Ok. Pensez que c'est dans le théâtre ? Oh putain, j'ai fait tomber le... Ça, on n'a pas vu, hein. Réserve, on peut pas y aller dans la réserve ? C'est vrai, Hélène, bah, ça fait trop plaisir. J'espère que tu vas bien, c'est le plus important. Quand t'as traversé le pont, au début, à gauche, il y a des... Ouais, j'ai vu les planches, de ça. Le problème, c'est qu'il y a plein de portes avec les pioches, enfin, avec des planches, mais j'arrive pas à utiliser la pioche nulle part. Salut, Marion. C'est ça, précis. C'est exactement ça. C'est comme les parents, ils gueulent. Et pourtant, moi, je suis grand. Hein. Je peux dire qu'à 41 ans, mes parents, des fois, ils m'appellent. Surtout mon père, il m'appelle par un autre nom. Vous savez, quand les parents s'énervent... Ça suffit maintenant, Kevin, Alexandre, Pierre, Jennifer, Ça arrive même des fois qu'ils utilisent des prénoms féminins. Ça arrive une fois, je crois. Il dit, mais what the fuck? Il a utilisé le prénom de ma sœur. Pourtant, on n'a rien à voir. On se ressent pas du tout. J'adore ma sœur, hein, mais on a... Alors, franchement, on n'a rien à voir. Je suis blond aux yeux bleus, elle est limite brune, châtain aux yeux marrons. Je ressemble à un Allemand, elle ressemble à une Italienne. Et il arrive à nous confondre quand même. Merci DJ pour le follow, bienvenue à la commu. Ok, tout ça on n'avait pas visité encore. Il y avait un autre balai, vous avez vu, il y a plusieurs endroits où il y avait le balai où on pouvait le trouver. Merci Lowboy et Seth pour vos follow sur Twitch également. Bienvenue à la commu. Ah, elles font pareil, hein, vos parents font pareil. Hein. Putain, j'ai refait tomber le tableau, mais j'arrête pas de faire tomber les trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis envoyé la porte dessus, mais quel con, je suis con quoi. Putain, ça m'a fait peur, ça vous a pas fait peur? J'ai fait la porte, c'est là. Ah oui, vous avez raison, on l'avait vu. Ok, vous avez raison. Je me souviens maintenant. En fait, j'avais la sensation qu'elle était pas loin, ça m'a... Oh mon dieu. Elle est pas loin en fait, elle marche juste derrière. En fait, je me suis repoussé avec la... J'ai cru qu'elle arrivait derrière la porte en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Stop behaving like a little child. Face me. Oh, putain, mais j'ai fait tomber la croix maintenant. Oh, le jeu fout un bordel. Eh ben mon KFC, Jessie. Bon appât à tous ceux qui mangent. Je pense que c'est la boîte à cookies, j'avais raison tout à l'heure. J'avais oublié que j'avais dit ça parce que j'étais pas sûr que c'était la boîte à cookies, j'avais dit ça comme ça, mais c'était bien ça. Et après, va falloir aller super haut pour la laisser tomber apparemment, pour qu'elle s'ouvre, de ce que j'ai compris. Par contre, il n'y a pas d'étage ici, il faudra peut-être revenir avant. Elle est là-bas, regardez, on voit ses yeux dessous.
C'est parce que j'ai pas les lunettes à l'envers. Ouais. Stop hiding. Je me cache pas. Trying to escape through the front door. I'm sorry, but it won't happen. Ça souffle ça? Non. Non 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 non, cul de sac. Oh, après on pourrait se cacher dans le chat. Oh, j'ai encore fait tomber un truc. Merci Noumi, merci beaucoup pour le gift. Elle arrive par où? Elle arrive par où, bordel? Et bah putain, je pensais qu'elle arrivait vers la droite, pardon, je suis mal poli. Et en fait, elle arrivait droit devant, depuis droit devant. 7 mois, Hélène. Et bah merci infiniment à toi pour ton soutien, pour ta présence. Ça va, Letty? Oh, je cherche. Oh là, je cherche. Hein. Je cherche. Je ferme la porte à la gueule. On lui ferme la porte à la gueule. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, je fais vite. Oh, merci Angie pour le renouvellement, pour ton soutien, ta présence en tant que modo et pour tout. Vraiment, merci infiniment Angie. Et je pèse bien la chance que j'ai d'avoir une équipe modo comme ça, que ce soit sur Twitch ou TikTok. Merci à vous. Et surtout, vous savez ce qu'Angie elle fait, les amis? Est-ce que vous savez ce qu'Angie elle fait pendant les lives? Vous devinerez jamais ce qu'elle fait, parce que vous pensez que les modos, ils sont tous bienveillants. Non, en vrai, c'est marrant. Elle s'amuse à faire des captures d'écran de mes pires têtes. Non, elle prend, quand elle voit que je fais une sale tête, elle prend une capture d'écran et après elle me les envoie. Elle me les partage à moi et à tous les autres modos. Elle fait regarder la tête de Kenro. Et du coup, il s'amuse à voter pour la pire tête que je fais pendant la soirée. Donc il y a des photos de ma tête en mode comme ça, ou en mode j'ai l'air bourré. J'ai pas la boîte. Ouais, j'ai loupé la boîte à cookies. Faudrait que je vous les partage, peut-être que je vous les partagerai. Ils font un concours de la pire photo, vous vous rendez compte? Le canard? Non, c'est la boîte à cookies qu'il faut ramasser. On y était, mais je suis parti comme je sais pas quoi. Ça fait pas, on a largement le temps pour The Bridge Curse, les amis. On a presque fait la moitié, on a tellement joué hier. On finira pas en une soirée, donc on fera deux soirées. On a le temps, parce que je pense qu'on va passer qu'une heure et demie ce soir dessus. Donc on peut prendre le temps de finir ce niveau. On va bien avancer sur The Bridge Curse quand même, vous en faites pas. On va enchaîner après. Et demain, on va faire du Outlast. Ah putain, mais c'est vrai, parce qu'il faut lâcher ça. Oh, j'ai fait un de ces boucans. J'ai balancé le pied de biche. Ok, maintenant, faut laisser tomber du plus haut possible. Est-ce qu'on retournerait pas dans le bâtiment d'avant? Vous en pensez quoi? Contre les prises de tête. Merde, merde, merde. Attendez, je sais plus où c'est la sortie. Putain, elle est juste derrière! Est-ce qu'on retournerait pas dans le bâtiment d'avant? Vous en pensez quoi? Sur le pont? Je suis d'accord, ouais, vers le pont. Le petit bâtiment qu'on a traversé, je pense qu'il faut aller là-bas. On fait ça? Ok. Après, il faut un endroit où on puisse la ramasser. Hein. Là, regardez, il y a une fenêtre. Par la fenêtre, ce serait bien, non? Vous en pensez quoi? Parce que... Il y a quelqu'un qui... Elle est là. Attends, elle est pas loin, elle est pas loin. Salut Didine. Moi, j'aurais balancé par la fenêtre. Merde, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas! Attendez, faut qu'on change notre plan. Attendez, ça craint, elle va arriver là. Putain, j'ai foutu un bruit. Non, la pire idée, la pire idée. Vous avez tous dit oui en plus dans le chat. Non mais en vrai, ça semblait crédible, non? C'était bien comme... Et allez, refais du bruit. Où c'est qu'on va la balancer? Merci Mikabra pour follow, bienvenue à la commu. C'est les arrivants.
À quand la nuit 3 sur Smile? Alors, les amis, oubliez pas de rejoindre le YouTube. Pourquoi? Parce que la nuit 3, je vais la faire hors live, je la mettrai sur YouTube. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, en stream, on fera la nuit cauchemar, celle d'après. Si vous voulez voir la nuit 3, comment ça se finit, je la mettrai sur YouTube. Également, Xbox a eu la gentillesse de me filer un mois de Game Pass. Ça veut dire que je vais vous foutre Hellblade 1 et Hellblade 2 sur YouTube. On les fera pas en live parce que vous savez que c'est un petit peu trop action. Mais il y a quand même une vibe horrifique sur Hellblade. C'est des jeux photoréalistes qui sont magnifiques, surtout le 2. Donc vous aurez les let's play intégral de Hellblade 1 et 2 qui sort la semaine prochaine sur YouTube aussi, donc n'hésitez pas. Et je vais essayer de vous faire régulièrement des let's play en plus des lives d'autres jeux sur YouTube. Ok. Où c'est qu'on la jette? On la jette où? Sur le pont? Carrément sur le pont ou pas? Le problème c'est qu'il y avait un grillage, ça a pas marché. Vous pensez qu'il y avait un étage dans l'école? Je pense pas. Hein. Pas encore d'indice, mais merci de nous demander en tout cas, et on va demander si on bloque trop là, on a encore un peu le temps. Si on commence à 21h30, le second jeu c'est pas grave, enfin pas tarder. Le pont donne sur l'extérieur du bâtiment, Sylzerine. Oh putain! Oh, il était juste devant, face à face. On est loin du niveau ou pas? Peut-être qu'on peut demander un indice, hein. On va peut-être demander un indice. Allez, on va demander un indice comme ça, parce qu'il y a encore le second jeu. Oh, on était pas loin du choc frontal. Moi, j'aurais pensé depuis le pont, mais je suis pas sûr que c'est vers l'extérieur ou dans un intérieur. La salle à manger a un trou, c'est pas bête. Ouais, mais il y a du feu. C'est à l'intérieur ou c'est à l'extérieur? Ne lâche pas la boîte n'importe où, sinon c'est la bloque, faut tout recommencer, Gaëtan. Ok. Ah ouais, donc c'est important, donc faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Salut Fred, ça va? Ah, je sais pas, pour l'instant on n'a pas vu les autres enfants, mais c'est sûr. Ah oh, putain, j'ai fait tomber le tableau. Ça a mis Cabra? En vrai, dites-moi les amis. À l'école, il y a une échelle. C'est plutôt à l'école? Ok, on retourne à l'école, il y aurait une échelle? Ok. Ce serait dommage de foirer pour... Merci pour les follow sur TikTok et YouTube, les amis. Soyez les bienvenus. Si vous aimez l'horreur, on fait que des jeux d'horreur. Vous êtes au bon endroit. C'est vrai, Erendir, et bah ça fait trop plaisir. Il y aurait une échelle à l'intérieur? Ok, dans les toilettes. Bon, ok. Bon, bah, on dit pas plus là. Là, on est déjà bien. Dans les toilettes? Il n'y a pas d'échelle dans les toilettes. Faut monter super haut? Ah ouais? Ok, bon, on a bien fait demander. Hein. C'est vrai, Margot? Vous êtes nombreux à pas aimer l'horreur à la base et à bien aimer les lives ou la commu. Après, je fais pas de l'horreur en mode je vous calcule pas et je fais. Ça fait que peur. On est là pour. Ben, dans le côté horrifique, le côté horreur, ce qui est marrant, c'est de suivre à plusieurs et de rigoler parce qu'on a tous peur en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est important qu'il y ait un aspect déconnade, que ce soit pas que horreur. C'est pour ça que si je dis horreur et good vibe, je pourrais dire horreur et déconnade. Merci Titaf pour le follow. Bienvenue à la commu. Je trouve que c'est beaucoup plus drôle quand on a l'autodérision de rigoler parce qu'on a eu peur, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas. Je trouve pas du tout. À gauche, en face de l'échelle? Mais j'ai pas vu d'échelle, les amis. Attendez, il y a d'autres toilettes. Vous m'avez parlé de toilettes tout à l'heure? Je vois pas. Merci Alexia également pour follow. Bienvenue à la commu. J'étais à côté de l'échelle? Ouais, mais j'étais en train de raconter ma vie, vous me connaissez. Oh mon dieu, les clous de l'autre côté. Oh, il y a un sous-sol. C'est en haut? Ah, c'est dehors? Ah oui, je la vois! Ah, bien vu. J'avais pas vu, moi, je la cherche à l'intérieur. Oh. Il est venu le temps des cathédrales. Il y a Garou qui va arriver. Ah putain, j'ai cru que c'était des pigeons éclatés par terre. Ah merde, comment on va faire? Attendez. J'espère qu'elle va pas arriver là. J'espère qu'elle va pas arriver maintenant. Mais attendez, comment je vais faire là? Attendez, ça craint.
Je la jette pas. Merci Italia pour les 8 mois déjà. Merci à toi Italia. J'espère que la voiture elle marche bien. Là vous pouvez me dire, je veux pas gaspiller le run les amis. Faut que j'achète dans la cheminée. Moi aussi c'est dans le trou, mais si je fais n'importe quoi, la partie est bloquée. Salut Stéphie, ça va? Ouais, ceux qui connaissent, c'est dans la cheminée ou pas? Dans la cheminée, ok. La boîte s'est ouverte. Ok. Par contre, elle mène où la cheminée? On n'avait pas vu. Non. Non, 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 non. Elle va nous chercher en haut? Ça va, bah tant mieux, Mitsuko. C'est important pour moi que vous passez un bon moment et que vous êtes là pour vous changer les idées. C'est le but. Ok, j'ai cru qu'elle allait nous courir en... Merci Salma. C'est moi qui vous remercie hein, pour votre présence les amis. Elle est juste en bas non? Elle était pas juste en bas? J'ai peur de me péter la gueule. Oh putain, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Coucou les arrivants. On va bien continuer The Bridge Curse après. On finit le parcours là, on est sur Evilman. Et après on continue The Bridge Curse. Merci Lurie pour le follow. Bienvenue à la commu. Salut Lurie, bah sois le bienvenu. Vers la grisette, j'étais MP. J'ai pris le temps de te MP, je le fais pas tout le temps. Ce serait bien de respecter les modos et de leur répondre. Quoi qu'il arrive, que tu sois content ou pas avec les décisions des modos, sache que je serai toujours du côté des modos. Il faut les écouter, et sinon malheureusement, bah, on va dire au revoir. Parce que je pense qu'ils font preuve d'une patience incroyable. Et je pense qu'à leur place, j'aurais pas été aussi patient. Oh putain, 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 putain. On se barre. Oh, merci Linda. En plus, c'est les 1 an de Linda. Merci beaucoup à toi, Linda Gaming. 1 an, c'est incroyable comme ça passe vite. Avant que je me fasse tuer par Sœur Gisèle. Non, Sœur Madeleine. Ok. Faut qu'on trouve la cheminée maintenant. Ah, c'est une nonne démoniaque, Anaïs. Oui, c'est une nonne démoniaque. Merci infiniment pour les 1 an. Du coup, c'est quoi le badge? You can run, but you can't hide forever. Elle donne des coups de marteau, cette folle. Elle a donné des coups de marteau quelque part. C'est le vampire pour les 1 an, je me souviens plus. Ah non, c'est la sorcière. Fantôme sorcière ou sorcier. Ok, faut qu'on trouve la cheminée maintenant. Au bout du conduit. Ah bah oui, dans lequel j'ai jeté la boîte. Bah merci du tip, ça en dirait, mais les conseils de Miyako. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le jingle des conseils de Miyako. C'était les conseils de Miyako. Parce que Miyako, faut savoir qu'il a toujours des bons conseils. C'est-à-dire, je cherche une porte, je suis en PLS, j'ai ma clé, je fais tain, mais elle va où cette clé? Il me dit dans une porte. Voilà, c'est toujours les conseils de Miyako. Incroyable. Tu t'es inspiré de lui? Ouais, ça m'étonne pas. Dans la salle de rituel, vous pensez? J'ai pas vu de salle de rituel, c'est bizarre. C'est bien. Bah, de toute façon, c'est forcément ici. Ouais, ok, je demanderai s'il y a besoin. Je pense qu'on me l'a un peu spoil, mais... C'est pas très rare, on l'a pas trouvé, la salle de rituel. On va fouiller, on va bien tomber dessus, de toute façon. Ça, je me dis, normalement, on doit tomber dessus. Ah! Attendez, je sais. Je crois savoir ce que c'est. Merci Noémie pour les 100 bits. Tout à l'heure, il y avait un sous-sol. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer ou pas que c'est dans le sous-sol, sans m'en dire plus? On a vu un sous-sol, mais en courée. Je pense que c'est dans le sous-sol. Je serais pas étonnant que le... Oh putain, elle est là. Oh, on a bien fait de se planquer. Hein. La salle de rituel n'est pas à l'école? Ah bon?
Merci Natelepa pour follow sur Twitch, bien la commu. Merci pour vos follow sur TikTok et YouTube. N'hésitez pas à follow au cas où il y a des coupures, comme ça vous retrouvez la chaîne. Et si vous aimez l'horreur, on fait que ça tous les soirs. Soyez les bienvenus. Bah c'est ça, Vin. J'ai l'impression que c'était au sous-sol, moi, mais on me dit non. C'est pas au sous-sol ? 100k like, merci à vous les amis TikTok. Pour rappel, normalement si vous cliquez sur partager, vous avez une option pour dépenser les points de chaîne. Pensez-y. Ça aide beaucoup. C'est à la cave ? Moi aussi je pense à la cave. Merci qui jouait Dufman également. C'est à la cave, hein. Ah j'ai pas vu, non. Santé Sabrina. Ok, on va retrouver la cave, on avait vu les escaliers tout à l'heure. Vous avez vu, ça fait l'écho. On a vraiment l'impression. Je suis caché dans mon placard, vous entendez ? Il y a même l'écho. Incroyable. Ce streamer fait des effets spéciaux en direct. Les autres streamers, ils ont des boutons sur lesquels ça fait les effets spéciaux. Moi, c'est le streamer Wish, c'est-à-dire que j'ai pas les boutons, du coup, je vous le fais avec les gourdes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, on va trouver le sous-sol. Je veux dire, Squeezie et Zerator, ils ont intérêt à faire gaffe, hein, je leur fais de l'ombre avec mes effets spéciaux. Hein. Des effets spéciaux incroyables. Jamais vu autre part parce que personne fait ça. Oh ! C'était où le sous-sol ? Merci Calgabarat également pour follow. Coucou aux arrivants. On fait ni Evil Nun, enfin le premier niveau. Et on ira sur The Bridge Curse après. Merci Calgabarat. Calgabarat. J'ai écorché ton pseudo. Merci pour ton premier mois de sub. Nouveau petit fantôme avec le Prime. Putain, tout à l'heure, on les avait les escaliers, hein, les amis. Hein. On les avait trouvés les escaliers, c'est ça le pire. Elle arrive de ce côté. Merci Zouzou pour les 50 bits. On les a vus tout à l'heure, je suis sûr de les avoir vus ces escaliers. C'est là ? C'est pas là du tout. Alors genre pas du tout. Il y a 36 balais, mais par contre... Il y a 36 balais, mais c'est le bordel de partout. C'est là. Ok. Oh my god. Je sens pas. Oh putain ! Oh c'est abusé, attendez, un piège, elle était là ! C'est abusé ! Non mais attendez, elle a pop, elle était devant, vous avez vu ou pas ? Vous avez vu ou pas? C'est abusé! Merci Nono pour les 100 bits aussi, merci pour le travail. Elle était... C'est normal que ça fasse ça? J'aurais dû me faire capturer? Je sais pas comment j'ai fait pour avoir le réflexe pour faire demi-tour et me barrer. Oh putain, elle est là. Elle est là. Réunion de crise dans les chiottes, comme d'hab. On cherche toujours les toilettes dans les jeux d'horreur pour faire nos réunions de crise et faire le point. Elle est partie, je crois. Je sais plus où c'était le sous-sol, vu que j'ai... Oh, là, elle peut pas être en bas, on est d'accord. J'ai l'impression qu'elle est là. Elle est au-dessus. Il n'y a pas la boîte à cookies. Oh, c'est là. Oh, mais oh, c'est quoi? C'est la clé de Fort Boyard. Porte principale. Oh putain, faut qu'on retourne vers le premier au début ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on retourne au tout début, vers l'extérieur où on pouvait pas ouvrir les portes? Ça, vous pouvez me dire. Salut Anoui, coucou les arrivants. C'est au tout début? Salut Seti, coucou, t'es des arrivants. La porte est click and draw? Non, j'ai l'impression que c'est au début. Je pense qu'il faut retourner au bâtiment du début. Je
pense. Oh, attendez, il y a une porte là aussi. On peut? Merde. Putain, c'est pas la bonne sortie. Je me disais, c'est trop facile. J'ai trouvé direct la sortie, c'est bizarre. D'habitude, j'ai pas le sens de l'orientation. Et bah, j'ai toujours pas en fait. Ok, il y a une autre sortie. C'est là. Une alarme était cachée. La note va arriver d'un instant à l'autre. On court, on fait quoi, on se... Non mais c'est à s'enfuir. C'est le Dark Titan. Il y avait des notes qui parlaient de quelqu'un qui avait une fille. Vous pensez que c'est elle? Les nonnes, elles ont pas d'enfants normalement. Cette école est bien plus animée qu'elle n'y paraît. Il y a un bus qui arrive maintenant. Merci pour tous les GG les amis, c'est trop plaisir. Merci Manon pour le follow. Bienvenue à la commune. Elle fait son linge. Uniforme, vêtements. C'est quoi ces petits cris? Vous entendez les petits cris? Je sais qu'il y a des enfants normalement qu'on peut sauver, il me semble. C'est les Morganes. C'est eux, ça a pleuré. Il n'y avait pas des pleurs d'enfants, vous avez entendu? Utilisez cette rampe pour accéder à de nouvelles zones et raccourcis de l'école pour vous échapper avec le van. Ok, on a débloqué un hub et ça va vers d'autres endroits, non? C'est ça?